Je crois que je vais mourir. Je crois qu'on est. J'ai peut-être été un petit peu. Et je crois que j'ai été un petit peu plus loin que je ne crois que j'aurais pu. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah mon Dieu. Adieu Rambo. Là, mon petit gars. Ah là 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 là. Alors, mon caractère. Je dois toujours travailler le shield un petit peu. Travailler le shield. J'ai pas encore eu de promotion. Je sais pas si on peut. J'espère qu'on peut avoir une promotion au-dessus de ça. J'ai l'impression. Normalement, oui. Alors, on y va. On va commencer par un petit bout de javelot. Et ça a marché. Et de nouveau, un événement. Le consul Flamininus est connu pour être un philhellène. Un philhellène, ah, un philhellène, un philologue, un grand admirateur de la culture grecque. Il pense que la vertu. Que des honorables officiers comme moi pourraient aider à établir une ferme et longue paix avec les locaux, avec les natifs. En tout cas, qu'il n'y ait pas de problème entre nous et les natifs, quoi. Donc, de nouveau, je gagne 4 points. Mais c'est bien. Où est-ce que j'en suis dans mes points avec lui? Ça. 80, un bon 80, là. Un bon 80, la même chose que la vertu. Ok, on continue un petit coup de sparring. J'ai bouillé, ici c'est ça que je veux faire. Donc je relance dessus. Ça n'a pas marché, on sort. Votre colonne marche. On est en position de colonne pour avancer. Et nous sommes past an upturned carte. Ah oui, donc c'est un chariot retourné. Un chariot retourné. Il n'y a que des hommes et des femmes et des enfants, des réfugiés. Aucun d'eux ne semble blessé, mais ils n'arrivent pas à remettre le véhicule sur leur roue. Tout le monde continue de marcher comme si il n'existait pas. Je vais les aider, bien sûr. Elle regarde d'abord avec un peu de peur, sans doute, mais elle se relaxe quand elle voit qu'on est juste là pour l'aider. Et quand le chariot est de nouveau sur ses roues, elle nous remercie pour notre aide non espérée. L'enfant me regarde et quand on résume, on repart pour me replacer dans la colonne. Et ils continuent leur chemin. D'autre côté, on a amélioré notre virtu. Alors, donc moral a remonté de 2 pour bon, ça va, donc on a tellement bien utilisé d'aider les pauvres et les faibles que bon, ben, finalement on est content de voir qu'il nous reste encore un peu d'humanité en nous, quoi. Parfait. Parfait, parfait. Workout. Coordination, nada. De nouveau, un événement. Votre victoire à la rivière Aous a ouvert un chemin à travers Épire et dans la Thessalie, une longue région sous le dominion de Macédoine. Ici, vous êtes rejoint par deux alliés, les Étolians et les Athamanes. Ils ont déjà pris contrôle de plusieurs des villes. Le consul est déterminé à capturer la ville de Faloria, mais elle a en garnison 2000 soldats de l'armée de Philippe. Il devient rapidement clair que cela sera plus difficile que d'habitude. Les défenseurs arrivent à repousser chaque assaut. Quelques jours après que le siège a commencé, votre patrouille capture un groupe de marchands pas trop loin de la cité. Alors, soit je peux essayer de récupérer quelques informations d'eux. Ils peuvent connaître un weakness dans les défenses de la cité.
Mais il me faudra normalement, là, à mon avis, pardon, c'est pas ça, c'est de l'intelligence. Hein. Et du charisme, sans doute. Je suis quand même trop faible pour arriver à faire ça. Je crois que je suis trop faible pour avoir ça. On va les remballer au camp. Le retour est. Ah, j'aurais peut-être pu réussir quelque chose. Ok, tant pis, on verra bien. Bon, tant pis. Ah, j'aurais pu les torturer, quoi, mais c'est pas trop mon truc en virtu, hein, la torture, quoi. Partout où vous regardez, les hommes sont au travail occupés de construire de nouveau. Bon, ça me demande s'il faut. Je laisse de nouveau les autres faire les échelles. Et on va de nouveau partir à l'assaut. Est-ce que les hommes vont me suivre ou pas cette fois-ci? Essayer d'avoir une deuxième couronne. Hein? Donc c'est comme d'habitude, hein, je vous traduis plus. Et on est reparti, ben on va essayer de nouveau. Hein. De nouveau, j'ai pas assez de charisme pour qu'ils prennent des risques, bande d'enfoirés. Mais de nouveau, on va être cuc comme ça. Donc, puisque ça a marché le coup d'avant, donc pourquoi ça marcherait plus ce coup-ci? On va voir. Allez, on est reparti. Je voudrais quand même voir une chose. Est-ce que je pourrais enfoncer le mec? Oui, on va essayer de faire ça. Non, il a résisté. Non, là, il y a eu quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon. Toi, mon gars, je vais te. C'est le torso, je crois, qu'on va faire. Ouais, on va faire le torso. On va faire le torso. Je sais plus ce que c'était comme. Combien il faisait, celle-là. Dommage qu'on ne peut pas savoir le nombre de points que ce bidule l'a fait. Bon, torso. 18 points, c'est bien, c'est suffisant pour lui faire mal. Tac, torso. Une troisième fois et il devrait être fini. Même en étant comme ça en déséquilibre total, je peux le finir, quoi. Mais on va quand même. Bon, là, on va quand même. Maintenant, parce que en plus j'ai le truc plein. Avant, il n'était pas plein, mon bidule, donc ça ne servait pas énormément. Si je ratais, ça ne valait pas la peine. Donc je préfère travailler comme ça quand même. Allez, 14 points. Il n'a 4 points qui peut récupérer. Mon épée passe tellement bien à travers l'armure que c'est bien pépère, quoi. Parce que si je vais refaire le recover, comme ça, eux, il y en a un des deux qui va s'ouvrir de toute façon. Donc je vais venir sur lui. Il faut quand même que je le fasse aussi, donc. Pas loin. Allez. J'aurais dû revenir en arrière, bien sûr, c'est une erreur. Parce qu'en plus, le fait de ne pas revenir en arrière, quand ils m'attaquent, ils ont plus de chances de réussir leur coup. Non seulement que ça me ferait mal, mais surtout qu'ils ne s'ouvriraient pas à ce moment-là, quoi. C'est ça l'idiotie de ne pas revenir en arrière quand on se repose. Enfin, quand on essaye de récupérer l'équilibre. Je crois qu'on avait fini à combien? 23 tours la dernière fois pour que et que j'ai gagné quand même. Je me demande si c'était pas 23 tours. Tu sais quoi? Je vais recover.
faire un recover, comme ça il m'attaque. Parce que je suis. Mais je pourrais le tuer quand même. Hein. On va quand même essayer. Ah, un point. Je parie qu'il a un point qui lui reste. Quoi. Ouais, encore un autre soldat donc. Ok, on revient, on fait un recover. Comme ça au moins ils vont s'ouvrir les mecs. Aucun des deux ne s'ouvre, donc toi je te finis alors. Hein. Enfin, j'espère que je te finis, voilà. 22. Est-ce qu'il va en avoir un autre après? Ouais, de nouveau au torse. Et je rate bien sûr. Parce que s'il faut que je recouvre. Ouais. Allez, ce coup-ci, mon petit gars, je te rends dedans. Allez, quoi. Bon, 27 tours, ça va être beaucoup trop. Ils peuvent travailler. Il ne s'est pas ouvert. Et moi, je rate encore, donc non. On n'aura pas notre seconde. On oublie. On oublie, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Ah là là là. J'arrive même à me faire blesser, donc. Ah quand même, j'ai touché une fois, quoi. Là, j'ai eu du mal avec ce mec, hein. J'ai du mal avec ce mec. Dommage, hein? Je crois que je devais être au 26e, 25e, 26e tour. Au moins 12, 15 tours pour ce mec, uniquement pour ce mec-là, quoi. Au moins. Allez. Terminé. On n'a pas la croix, ça c'est sûr. Je m'en doute, toi tu rigoles ou quoi? On a eu beaucoup de chance le coup d'avant. Disons plutôt qu'on a. Ici c'était du normal et c'est le coup d'avant que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir réussi mon. D'avoir réussi ça, quoi. Oui, pour 4 points, je perds 5 points de morale bêtement. Ça, c'était logique. Pouh, il n'y a plus moyen de quoi que ce soit, hein, dis donc. Allez. Encore. Shield. Je suis fort. Donc on a souffert, j'ai souffert d'un mortifying, mortifère, mais setback à Atrax. Ok, donc on a souffert hein, quelque chose, on n'a pas réussi en tout cas à le rentrer dedans. Hein. Nos engins de siège ont réussi à péter les murs, mais la garnison macédonienne a réussi à faire une phalanx derrière l'ouverture, la brèche, et il empêche toute atteinte de break dans la cité. Donc, le fait que votre manipule n'a pas encore été dans les attaques ne font qu'améliorer, voire que ne diminue pas votre frustration, quoi. On est frustré même si c'est pas nous. Cet épisode est un anxieux rappel de comment une phalanx peut être difficile, comment dangereuse, enfin comment est forte une phalanx dans les bonnes conditions. Alors, Flaminius. Lève le siège et m'envoie en commande en recherche d'une de cible moins bien défendue.
les villes de Phanoteus, Antisira, Ambrisus, Hyampolis et Dolis tombent en une succession rapide. On vient de gagner 680 denarii. Ok. Si je regardais un petit coup après une petite recherche de quelque chose, si j'emmène à mon avis, de nouveau, j'ai un petit événement, ok. Là, je vais peut-être avoir quelque chose. Alors, on démarre à gauche, il y en a trois, et il y en a deux sur la droite, donc on va à gauche. Donne-moi quelque chose. Non, rien. Rien de rien. Non, je ne veux rien de rien. Ah, quel dommage. Allez, voilà. Ben on va de nouveau. Heureusement que j'ai quand même suffisamment de charisme pour. Voilà, j'en ai fait 3, il n'y en a plus qu'un. Ah, il y en a encore 2. Mais je vais être un peu juste là. Je vais être un peu juste. On sent qu'il y a quelque chose ici quelque part. Voilà, je l'ai trouvé. J'ai besoin parce que. Mais sur le côté, on voyait les petites, le truc jaune qui augmentait ou diminuait, quoi. Allez, donc, il ne me donne rien. Je crois qu'il y a encore un hameau ici, hein, non? Oui, il y en a encore un plus bas. Parfait, on va pouvoir peut-être avoir quelque chose. Espérons. Nada. Très mauvais perte de temps, quoi. Donne-moi au moins un petit peu de charisme ou quelque chose. Non, bien entendu, pas de chance. Alors, est-ce qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant? Peut-être. Peut-être. 100, 100. Leg 18. 16, 28 au lieu de 17, 29. Moins bonne qualité, mais je trouve que ceci. Je gagne 10% pour les pour l'aine. Je perds 2 points. L'ennemi pourra me faire 2 points supplémentaires s'il me touche. Mais en plus, j'ai encore 18% en plus sur les jambes où je n'ai pour le moment que 55%. Je crois que je me lâche très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et toi? 16, 28. Au même prix, lui, hein. On pourrait peut-être avoir quand même mieux. On pourrait peut-être quand même avoir mieux. Et celui-ci. Awareness 6. 90-40. 90-55, le nôtre. Mais il protège encore mieux de la tête. Mais ça, c'est déjà pas mal. Hein. 41 d'anti-armure. Faut déjà qu'il pète le mec. Hein. Faut déjà qu'il tape fort. Hein. Ouais. Donc, on va refaire une petite cherche. Peut-être qu'on aura mieux. Encore de nouveau un événement. Alors, la cité, l'importante cité d'Elatia, Elatia, est la dernière à tomber avant l'hiver. Donc, la malédiction était scellée quand une large section, sa malédiction a été scellée quand une large section du mur est tombée. On a gagné de nouveau 230 dinari. Quand une dispute arrive entre vos hommes et un groupe d'alliés étoliens pendant le pillage, c'est grâce à votre intervention seulement, et seulement grâce à votre intervention, que vous prévenez un.
du sang d'être coulé. Votre consul, de nouveau, a gagné 3 et j'ai gagné 5 de trucs. Ok, allez. 850, à mon avis, elle est moins bonne. Effectivement. 500 n'arriveront pas. Allez, encore un petit coup de cherche. C'est le dernier que je fais. Bah. Non, 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 non. Ah, peut-être ceci. Même s'il est plus cher, un coup d'awareness en moins, d'accord, protège un petit peu mieux, mais je préfère mes 40% que je gagne de bidule. C'était pas loin pourtant, c'était pas loin ce coup-ci. Mais non. Non. Non, bon. Non, attends, je vais d'abord vendre mes conneries que j'ai, parce que j'ai plein de trucs là. Série de bidules là. Toi, c'était. Non, non. Alors, voilà. Autant revendre tout, hein. Et encore des griffes, mais j'avais des spéciales griffes. Moi, ok, 1500 balles de. Ouais, ça en valait la peine. Accumuler 5000 denarii. Ok. Yes, on s'en va. Tant pis, j'ai perdu un peu de temps. Mais enfin, ça a fait descendre un petit peu l'over-exercice. On est en superbe quand même. Allez, un petit coup de javelot, t'as pas voulu. Alors, vos soldats vous voient de nouveau comme un bidule. Ok. Sparring, nada, nada. Donc la Ligue achéenne joint la coalition anti-macédonienne. Femininus et Philippe se rencontrent de nouveau. To not available. C'est quoi ça? To no. Tant pis. Beaucoup ont suspecté le consul de garder une porte ouverte dans le cas où son commandement ne serait pas prolongé. Comme ça, son successeur n'aurait pas le crédit de terminer une guerre. D'accord. C'est ça. Donc ici, il se rend compte encore pour peut-être pour essayer de faire la paix, quoi. Toujours Veil. Veil, je ne sais pas, je sais pas ce que c'est. Ok. Alors, quand il est donné autorité au proconsulaire par le Sénat, donc quand le Sénat lui donne autorité proconsulaire, vous êtes tous certains que le conflit ira jusqu'à ce qu'il y ait une défaite énorme qui force Philippe à accepter toutes les demandes de Rome. Aussi, votre armée est partiellement renouvelée avec des milliers de renforts venant de nos maisons qui vous joignent. Venant de Rome, quoi, qui vous rejoignent. Ok. Il reste un peu de temps. Allez, un petit coup de javelot. Il n'y a pas moyen. Je vais revenir de l'autre côté. Alors, workout. Quickness. Nada. Swim. Nada. J'ai vraiment du mal à réussir quelque chose. Il veut vraiment plus rien me donner. Shield, merci. Alors, de nouveau un petit événement. Le consul, il me tient en une tellement grande estime qu'il m'offre de m'entraîner avec un vieux maître gladiateur
qui fait partie de son équipage, quoi, de ses serviteurs. Quel aspect de votre combat voulez-vous travailler? Génial, quoi. Au moment où j'arrive plus du tout à monter, ok. On prend quoi? Je crois que je vais la jouer plus prudente, hein. La soire, c'est pour attaquer, le shield, c'est pour défendre. Plus je me veux défendre, plus je pourrai attaquer. C'est logique. Et donc, je vais travailler le javelot. Et je gagne 3 points de javelot. Et nous en sommes en javelot. Donc là, ok. Shield 80, javelot 82. J'ai dit shield, hein, c'est bien ça. Ah, hein, ok. Donc là, j'arrive plus à monter, hein. Constitution ne monte plus trop vite, c'est moins important. Coordination, quickness, c'est vraiment intéressant. Bon, 78, 80 en shield. Mais on est, je sais plus en quelle année on est. C'est la saison froide. Donc après, on aura le. Je crois qu'on a encore un truc après. Hein. Allez, on recommence. Un petit workout. Coordination, endurance. Nada, il me dit, va te faire voir. Je ne veux pas que tu progresses ni là-dedans, ni. On va essayer de l'autre côté maintenant. Nada, tu veux pas. Vous me faites râler, les gars. Vous me faites râler. Plaisir, have fun. Ok. Plus. Miss. Offer, sacrifice. 20. Qui me remet en superbe. Ce qui me permet de réessayer un petit coup de. Enfin, un petit coup de coordination. De nouveau 2 points. Et on va de nouveau essayer de gagner un petit point d'épée. Nada, n'a pas voulu. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon. On est parti. Alors, votre camp à proximité de fer. Une des plus anciennes cités de Thessalie. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, c'est que Philippe et la principale partie de son armée est quelque part dans la région. L'air est lourd de tension. Il y a. Donc, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de chemin autour qu'une confrontation finale pour terminer l'année. Pas très bien compris. Ok, je trouve quelques conforts dans la connaissance de que ceci est un opponent, hein, donc un opposant que vous avez déjà défait en bataille. Mais le truc contraire à Thrax a prouvé. Que sous de bonnes conditions, la phalanx, voilà, de nouveau. Donc c'est la phalanx peut être clairement impossible à battre. Donc je sais que c'est un opposant que j'ai déjà battu, mais au contraire, je sais que à Thrax c'était quand même difficile de les avoir. Vous espérez seulement que Flamininus est suffisamment malin pour empêcher Philippe d'utiliser cette arme, bien que cette arme effrayante, bien que difficilement mobile, pour remplir son eff so sa être à full efficacité. Ou alors les choses deviendraient vraiment chiantes, difficiles, embêtantes, mauvaises. Mais bon, c'est totalement hors de votre contrôle, quoi. Vous ne pouvez rien y faire. Donc vous mettez directement cette pensée sur le côté. Vous feriez mieux de rester focusé, donc concentré sur les choses sur lesquelles vous avez un impact. Nous sommes en cynocéphalie, cynocéphalée, en Thessalie, toujours. Ok. Alors, vous êtes accompagné d'une escouade qui consiste en gros d'une infanterie légère. Votre
mission est d'apprendre ce que vous pouvez des alentours de la Macédoine, des Macédoniens. Enfin, de quoi on parle, enfin, de ce qui se passe autour des Macédoniens. C'est une surprenante quête très courte. Vous traversez des collines au nord de votre. Comment on appelle encore ça? Enfin, c'est où il y a les chefs, quoi, hein, les quartiers de chefs, là. Quand vous rentrez dans une autre partie de la même composée de la même manière, des ennemis. Leur donc, propre camp doit être très proche. Philippe ne perd certainement pas de temps. Ils doivent aussi avoir appris notre présence et être directement déjà sur Hills. Je sais pas, c'est pas les Wills, c'est des roues, les Wills, mais non, déjà sur nos traces. Moi, mon avis, c'est ça. Alors, vous n'avez pas reçu d'ordre pour attaquer à vue. Donc, vous vous observez tous les deux depuis une distance de sécurité, une distance sûre, et vous attendez que les messagers qui ont été envoyés à Flaminius reviennent avec les instructions. Alors, une partie de l'escouade rivale appartient au Peltast d'Ajema. Vous pouvez dire, vous le voyez à cause de leur insigne. L'insigne, c'est ce qui est sur leur grande pique, là, tu sais, où il y a le blason, si on peut dire, le blason du groupe. Alors, si les Peltas normaux sont les meilleurs de l'infanterie de Philippe, ceci, c'est la crème de la crème. La crème de crème, en français, ça serait la crème de la crème, quoi. Vous ne pouvez pas attaquer, mais vous pourriez faire un challenge. You can issue a challenge to single combat. Donc je pourrais faire un petit challenge. Ça serait une occasion pour une gloire personnelle ou un Honorly Grave. Bon, bah on va le faire, bien sûr. Mais je risque de perdre un petit peu. L'autre, il va peut-être pas être content. Bon, on va le faire. Ou un cercueil très rapide, quoi, qui m'a dit, donc on va le faire. Intelligence. Alors, donc, ce sont des troupes d'élite et certainement un de leurs meilleurs va répondre à mon challenge. Est-ce que vous voulez être sûr de vouloir faire ça? Ben oui, hein, on va pas reculer, on est le meilleur de tous. On est Rambo. Allez, leur leader avance. Un chiliarque, un commandant d'un millier. Je ne sais pas ce que c'est, mais un commandant quelque chose. Il y en a en tout deux comme lui dans tout Ajema. Dans une voix, je sais pas, futée peut-être. Il demande si je suis Jean. Oh, il me connaît. C'est bien la première fois qu'on voit notre nom qui arrive quelque part, tiens. Quand vous confirmez, il vous donne un long regard d'appréciation. Il semble que vous avez une réputation même dans l'ennemi. Oh, ça fait plaisir. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, il lance son javelot vers vous, sans laisser de doute. Donc il montre bien qu'il a des très très bons skills à ce niveau-là. Je rate ma défense. Mais j'ai une armure de 13. Seulement, j'ai que 13 armures, moi. Et j'ai perdu 4 points. Bon, ça va, c'est pas. J'en ai quand même 80 et quelques. Hein. Donc, comme je me prépare à répondre, il prend son épée. Vous êtes un petit peu ébahi peut-être quand vous la reconnaissez. Je ne sais pas, Starkman, enfin, quelque chose dans le genre. Et ce n'est pas l'épée habituelle qui est la Xiphos dans ce pays. Donc Xiphos, on a déjà vu, on en a vu souvent. C'est ça avec quoi on démarrait aussi, nous autres, normalement. C'est une épée espagnole, hispanienne en tout cas. Très mauvais. Vous vous rappelez avoir vu des décorations
sur Hiltz, la lame peut-être, ou sur la poignée. Donc encore pire, vous vous rappelez avoir vu ça. Donc on va peut-être savoir quoi. L'épée appartenait à Tertius Curius Dentatus, un des plus éminents centurions dans votre légion. Elle a été forgée par c'est génial, on va avoir une superbe. Un armurier renommé, Carpetanian. Dentatus est tombé il y a à peu près 2 ans, près de Pluina, tué par. Donc on a rapporté qu'il était tué par un leader des Peltas Hagemas. Donc je vais me battre contre celui-là. Vous ne croyez pas qu'il y a plus d'une main. Donc une main pleine, au moins maximum 5 ennemis qui pourraient être aussi dangereux que celui-ci dans le monde entier. Mais maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Nice. Eh bien, je n'ai pas encore travaillé contre ce monsieur, nous allons le découvrir. Là, on n'a jamais eu, c'est vrai qu'on n'a jamais eu aussi méchant que celui-là. On n'a jamais eu aussi méchant que celui-là. Et il a un superbe kickness. Il a une coordination, mon Dieu, oh mon Dieu. Il est. Oh là 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 je crois que je vais mourir. Je crois qu'on est. J'ai été un petit peu. Et je crois que j'ai été un petit peu plus loin que je ne crois que j'aurais pu. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah mon Dieu. Adieu Rambo. Là, mon petit gars, ah là 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 là, ah là 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 là, regardez-moi cette défense. Il est à plus de 90 là, hein. Il est à 90 en weapon, en défense, en coordination, il a plus que 90 aussi, donc il va tenir sur ses pas de sang. C'est même pas la peine d'essayer de lui faire perdre l'équilibre. Il a un très bon quickness. Il a que la constitution, quoi. Il a 60 points de santé. Ben, il a une très bonne endurance, il tape fort aussi. Je tape un peu plus fort que lui quand même. Bon. Ok. Ok. Bon, on va faire comme d'habitude, hein, on va. Malheureusement, on rate. Je pense qu'il va me toucher tout de suite déjà. Ouais. Ouais, je crois qu'il n'y a pas un bouton fouillis. Ah merde alors! Et un bouton fuir, s'il vous plaît! Je veux un bouton fuir! Ça serait le quoi faire, hein? 42-43% de réussite. Et il ne tiendrait pas. Ouais, Knock, j'ai jamais fait de Knock. 64-80, et là c'est. 80-100, 15% de stance. L'attaquant, il suffit 30% de stance si je rate. C'est sur la string, Bazed. Hein? C'est sur la string. C'est pour ça que. Donc la chance de résister, c'est sur la string. Alors, bon, on va quand même regarder au niveau de la feinte. Comme vous voyez, elle n'est pas. Et donc ici, la. C'est quoi? C'est la awareness et la quickness qui permet à l'opposant de résister. Et dans les attaques, qu'est-ce que je peux faire? Bah, c'est de la merde les attaques. C'est. Taper dans le torse, je vais pas faire de dégâts à peu près. Enfin, si, je vais en faire, hein, mais pas des tonnes, quoi. Seul moyen, ça serait de travailler dans les bras, mais comme vous voyez, on est coincé. Je crois que je vais tenter une charge. Putain, il sort même pas en route, l'enfoiré, quoi. On recule, voilà, là, je suis déjà vraiment mal barré. Ok. Je peux plus. Je ne peux pas. Bon. Et je suis déjà fatigué, quoi. Oh là 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 là. Il m'a touché où, au fait? Il m'a touché.
au bras, hein. C'est pour ça que j'ai perdu. Hein. Et à la jambe. D'abord à la jambe. Non, il a raté, heureusement. Il travaille sur mes. Il travaille sur ma. Ok. Je t'ai pigé, mec. Je t'ai pigé, mec. Ah, il recover aussi. Oh, speed. Comment est son moral? Oh là 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 là. Je crois qu'on est mort. Je vois pas très bien comment je vais pouvoir éviter ce mec, quoi. Non, je vois qu'un seul moyen, il faut que je le foute au sol. Il faut que je le foute au sol. Il a résisté en plus. Cet enfoiré, il peut retravailler. Ouh là là. J'ai une chance. J'ai une chance. J'ai une chance. Elle n'est pas très haute, mais j'ai une chance. J'ai une chance. J'ai une chance d'un peu le blesser. Ah, mais pas grand-chose, hein. Mais bon, on va lui faire mal. J'ai quand même que 10 points. Ah. Encore une fois. Ah! Dieu, nous dit Dieu. Oh, nous dit Dieu. Dommage, bon, il est fort, il est fort. Non, je vais recouvrir là. Pas la peine de rêver, quoi. Bon, en égalité maintenant en fatigue. Mais il me touche. Hein. Ah, je dois rester coincé derrière. J'ai pas le choix. Même si je perds du moral. On va revenir un tout petit peu, mais ça ne sert à rien d'ailleurs, c'était idiot. On va faire ça. Ça, je perds pas de points cette fois-ci. Et lui, je crois qu'il m'a quand même. Bon. C'est con que j'ai. Ah oui, c'est con. Ah, essayer de recouvrir. On y est arrivé. Et lui aussi, bien sûr. Allez, je passe mon tour de nouveau. Ah, il a un super kickness. Hein. Ah là 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 là. Tu me fatigues, mec. Tu me fatigues. Je vais te laisser encore un petit coup comme ça d'abord. Ok, maintenant je recover. Il rate pas, hein. Là, je peux essayer. Mais une charge, si je rate ma charge, et je risque bien sûr de la rater, il va me taper dessus. Même qu'en étant comme ça. Il est fatigué. Il a passé son premier cap. Écoute, calme-toi, mec, calme-toi. Mais il faut faire gaffe parce que, bon, plus il va être fatigué, moins il pourra me toucher. Je peux lui faire une feinte. Est-ce que je peux le taper? Non, je peux pas le taper. Mais je peux lui faire une feinte quand même. Alors la feinte qui passe, c'est la quick. Oui. Ça sert à rien, je me suis fatigué pour rien. Ben même s'il me touche mon 4, je suis à la moitié de ma vie. Hein. J'ai comme combien? Je sais plus ce que j'ai comme vie. J'ai 82, donc il me reste 42, 43 points qui me restent encore. C'est pas des tonnes. Hein. C'est pas des tonnes. Hein. C'est pas des tonnes du tout. Ah, il y avait Spit aussi, enfoiré.
Ah, je suis gouré. C'est pas grave. Ok, il m'attaque au bras. Je vais revenir ici. Je vais faire un respite ici. Ne pas perdre trop de points. Encore un respite. Que je rate, mais c'est pas grave. Voilà, il a un truc. Maintenant, je recule. Et respite. Enfin, une feinte. Maintenant, je fais un recover. Donc chaque fois que lui qui me fait une feinte, il prend 3 points dans le nez. Hein. Moi, recover, c'est qu'un point et respite, je le récupère. Donc je suis toujours bon. On est égalité, sauf que j'ai un level d'avance sur lui. Je vais peut-être avoir une chance de le battre, mais c'est le seul moyen. J'ai pas d'autre possibilité. Le mec, il est fort, quoi. Wow. Et heureusement que je suis bourré de. Je vais quand même remonter, faire mon respite ici pour pas perdre trop de points. Tape une deuxième fois. Heureusement que j'ai une bonne armure, hein, les gars. Donc là, je peux revenir en espérant qu'il ne fera pas de nouveau un quick, un quickness, là, un double bidule. Ok, maintenant je redescends. Ah, une touche à la jambe. 11 points. Heureusement que j'ai des bons bidules, hein, mais malgré ça, il faut que je tienne comme ça. Il va bientôt passer son deuxième niveau. Hein. Mais moi, je vais bientôt mourir aussi. Hein. Tape à la tête. Ok, je peux remonter. Est-ce que j'aurai une possibilité de faire quelque chose? Rien d'intéressant. En feinte, il va pouvoir de toute façon tout reprendre. Il va un peu, il va monter, hein, il va monter petit à petit. Hein. Et un shield? Ah non, je peux pas faire de shield là. Je vais juste continuer comme je suis. Ok, on redescend. Ok, malgré tout, il risque quand même de me prendre, donc je vais. Allez, quoi. Toi, il fait même pas. Il trouve qu'il a assez, quoi. Voilà, il vient de passer de nouveau un cap. Hein. Il en a encore un à passer de cap. Donc maintenant, mon attaque sur lui, elle commence à venir puisqu'il n'a presque pas de bidule là. Hein. Et au niveau de la feinte, on va. On va travailler derrière. Ah, ici peut-être que j'ai une chance de le charger. Ah, il résiste, quoi, l'enfoiré. On va revenir, on va faire. On a un bon recover à prendre ici d'abord. Il rate son coup. Il rate son coup. Peux t'attaquer au bras pour te fatiguer un petit coup supplémentaire. Je crois que c'est ce que je vais faire, je pense. Note que j'ai un bon petit coup de charge là. Ah, coup de charge, allez. Ah, oui, yes, allez. Maintenant, tu lui fais le plus mal possible. Tu vas le fatiguer en même temps. Allez, touche. Hein. Je touche. Je touche. Je vais. Les gars, si je le bats. Si je le bats, quel plaisir. Allez, monte. 13 points. Plus je lui mets des gros points, plus il perd de la fatigue. Hein. Est-ce que je peux encore. Oui, je peux encore le toucher. Oui, allez. Maintenant, on arrête. Enfin, je crois. Ouais, on arrête. Oh là là, ma charge qui est passée, quoi. Oh, j'ai la trouille, hein, je dis tout de suite, hein, mais bon, il me reste 35 points, mais lui, il en reste moins maintenant. La vache, on va peut-être gagner, quoi. Contre Ajema Chiliarch. Et donc, son épée, elle doit être assez géniale, hein, parce que
Il doit être assez génial, je pense, son arme. On va peut-être pouvoir la récupérer comme ça. Hein. On va voir. Hein. On va voir ce qu'on va récupérer. Enfin, bon, et oh, je vends pas la peau de l'ours avant de la tuer, peut-être qu'il va me tuer en un coup, quoi. J'ai bien fait de changer de casque, je crois. J'ai bien fait de changer de casque. Il a le même casque que moi. Peut-être même un meilleur que moi d'ailleurs. Montre un peu ton casque, il est comment ton casque? Ouais, il me laisse. J'ai 25%, même pas là. J'ai combien là? Bon, là c'est 25%. Là j'ai juste 15% pour le toucher, qui a de libre. À la tête. Et au nez 50%. Et au nez 50%. Et moi je sais plus combien j'ai, mais. Allez, discute pas. Repose-toi. Ok, repose-toi toujours. Pourquoi je me suis reposé, je n'ai pas attaqué, là il est tout ouvert, quoi. Ah, pas grave. Il rate sa feinte. Je continue à me reposer, même si je perds des points de morale, je m'en fous. Il a réussi, un recover. Il m'attaque. Ok, allez. Un petit coup dans les bras n'est pas suffisant. Une petite charge. Une petite feinte. Une petite feinte. Pour essayer de le passer plus loin derrière. C'est jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas réussi. Attaque. Maintenant, je peux le prendre le bras. Si je lui prends le bras, il a à peu près. Je le rate. Pardon. Excusez-moi, je n'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Je le couperai au montage. Respite. J'en suis où dans mon content toujours. Lui, il est comment dans. Bon, il a un moral. Oui, alors il perd rien en moral. Il n'y a que moi qui perds en moral. Et je m'en fous de perdre du moral. J'ai besoin de rester derrière. Ah, cette fois-ci, il ne manque plus grand-chose. Il revient encore. Hein. Je recouvre. Tout le moment. Ça y est. Tu es à ma merci. Tu es à ma merci, mec. Je pense que non, je vais pas risquer là. Taper un coup dans le bras. Je touche. On revient. Bon, il fait aussi du. Ah non, il m'attaque, ça y est, il a raté. Ah. Il a récupéré, enfoiré. Ah, ok. Oui, mamma mia. Là, je vous dis franchement, je n'aurais jamais, jamais, jamais cru que j'allais gagner ce match. Je n'aurais jamais cru que j'aurais gagné ce match. On a eu la bonne tactique. C'est la bonne tactique, c'est tout. La bonne tactique. Il n'y avait pas d'autre moyen, on ne pouvait pas gagner autrement. Visez-moi ça, le mec c'est une cuirasse. Et malgré que ce soit une cuirasse, il est à 100 et 90, quoi. Alors que normalement, vous démarrez avec une comme ça, c'est 35 et je sais plus, et rien du tout. Et peut-être 10, quoi. 14-38. Avec moi, c'est quoi comme différence? Moi, j'ai une chaîne mail, mais elle est meilleure que la sienne. 17-29. Mais bon, c'est une spéciale aussi qu'on a récupérée. Ah non, non, on est moins bon. 17, oui, j'ai 17 de damage de protection, mais lui, il a 38 d'anti-armure, et moi, j'en ai que 29. Eh bien, je vais vous dire que les 38, comme on est couvert à 100% de toute façon, celle-ci est bien meilleure que la mienne. Parce qu'il faut d'abord qu'il rentre dans les 38 avant de commencer à décompter des points ici. Ça veut dire qu'il faut 52 points
pour faire 52 points de dégâts pour arriver à me faire des points de dégâts, si on veut dire. À moins qu'on tombe dans les 10%, bien sûr. Par contre, moi, ici, je n'avais que 46 au lieu donc de 52. Donc je gagne 6 points. Donc celui-ci est quand même nettement meilleur. Et on va le porter, bien sûr. Ok, alors ici, ton 6-4, moi je crois que j'avais un 6-5. 6-17. Il est un petit peu mieux en Andines. Mais la mine est un petit peu meilleure. Hein. On a 3 points de plus ici dès le début. Un point de plus d'entrée. C'est un. 3 points d'Andines pour un point d'anti-armure et 3 points de base. Elles se valent, disons. Disons qu'elles se valent. Mais 3 points quand même d'Andines. Y a juste le dommage de base. Et l'anti-armure qui fait un point de plus. Et ben, là, c'est vraiment. J'ai quand même gardé la mienne, mais c'est limite, quoi. C'est limite. Alors, à mon avis, c'est Grius, c'est pas aussi bien. Lui, il a un quickness de 2, mais moi, j'ai. Heureusement que j'avais ça, les petits gars, parce que. Oh, la vache, quoi. La note bien meilleure, mais c'est une superbe paire. Putain, le mec, il était bien. Alors, par contre, le seul truc qu'on peut avoir de bon, c'est ça. Ouais, il est meilleur que le nôtre dès le début. Ouais, il est entièrement meilleur que le nôtre. Pas beaucoup de. Il y a 5% de différence en tout, mais. Un point d'awareness en moins. Allez, je porte. Ça fait 2 bidules que je vais porter. Eh ben là, je suis content. Ouf, pouf. Mars, le favori de Mars, je suis le favori du dieu de la guerre. Defeat Chillarch. Alors. Ah bah oui, tu penses que mes alliés. Donc les deux meilleurs. Donc bon, les alliés, ils éruptent en criant. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, je suis content. Je suis content. Dans les deux armées, on rencontrait dans un aujourd'hui un combat singulier. Et je suis arrivé au top, quoi. Ils me regardent tous avec l'armée Peltas, là, d'Angema. Ils me regardent avec un mixte ils sont assourdis, quoi, totalement à zéro, et du respect. Ils n'interfèrent pas pendant que je suis occupé de vider, de dénuder mon adversaire de son armure et de son épée. Waouh! Ok, donc, ce que je sais plus, c'est le début de soirée, enfin, ou le début de la nuit, quoi. Enfin, où la pénombre approche. Quand les messagers arrivent, il n'y aura pas plus de combat aujourd'hui. Vous retournez tous au camp. Après avoir entendu de notre duel, un tribu a envoyé son médecin pour me soigner et j'ai récupéré. Ah oui! On est encore occupé de se battre en plus, hein. Et j'ai perdu quand même beaucoup de vie, là j'en récupère que 10. Je suis le Achille romain, gagné au moins 18 coupes. Les gars, vous avez vraiment un let's play ici, remarquable, superbe. Je dois dire que je suis très fier de moi, donc voilà.